Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis revenu couper un petit peu de bois là, sur le moulin ici. J'ai fait ma pelouse ce matin. Il commence à avoir un petit peu de mouche. Je vais vous faire un petit heads-up avec ma machine ici, là, ce que j'en pense jusqu'à maintenant. À fond, ce que je trouve, c'est que des fois, ça devient un petit peu dur à virer du fait que j'ai pas coupé mon axle, là. Mais comme je disais, j'avais mis 4 bearings dessus parce que je m'étais dit, si c'était trop dur à virer, que je couperais mon axle entre les deux bearings que là. Mais je pense que je vais quand même la runner comme ça. J'ai peur que si je la coupe, que l'arche va s'en aller un peu n'importe où, puis il va falloir toujours que je la contrôle. Puis si à un moment donné, il y a une roue qui accote sur une souche, ben ça va forcer mon arche à virer sans nécessairement que je la contrôle comme il faut. Donc, je pense que entre les deux mots, là, je vais la garder comme elle est là. L'autre chose, ces poteaux-là ici, dans le fond, je les ai attachés dans des hooks comme ça. Avec, j'ai mis un clou là, bord en bord, juste pour le tenir là. Puis ça, ce que ça me permet de faire, dans le fond, c'est de, une fois que je lève mon bio, je le déchaîne d'ici. Je fais faire un demi-tour. Puis je le mets directement sur mon banc ici. Puis les autres ils s'agrippent avec les coches ici là, je mets ça sur le bord des rails. Puis après ça, j'ai juste à descendre mon bio un petit peu. Puis il est déjà sur des barres. C'est que j'ai juste à le laisser tout simplement sur mon ballon ici. Fait que ça travaille quand même bien à ce niveau-là. Il y a ça ici que je trouvais que la poulie ça débarque des fois là, la corde. Donc j'aurais pu mettre une poulie un petit peu plus large là-dessus là. Parce que des fois ma corde, mon câble il saute là, si vous voulez. Ça je l'ai fait pour travailler en 2 pour 1, fait que je passe mon câble ici avec un autre poulie ici. Fait que là à ce moment-là ça travaille en 2 pour 1 tout le temps. Et c'est que mon tube ici, j'ai pas fait de bushing ici là. Fait que d'où un petit lousse, c'est que je mets un outil pour le coincer là. Je mets une clé ouverte là. Le bord là-dedans, puis c'est correct. Ça ici, mon grappin, ben ça travaille très bien, c'est merveilleux. J'aimerais ça d'ailleurs. Dans le fond, tout ce que j'avais comme description là-dessus, c'était ça ici. Un CHT400. Mais j'ai pas le nom de la compagnie qui a fait ça. Mais ça travaille très bien. Autrement que ça, pour la largeur de l'arche, je trouve que c'est parfait pour les bios que j'ai. Naturellement, si j'aurais des bios qui seraient beaucoup plus gros, ben ça serait pas nécessairement l'idéal, mais il me permet de prendre un 16 pieds facilement. La winch, je trouve qu'ils sont fragiles un peu, ces winches-là. C'est des winches de Princesse Auto. Ils sont arrêtés pour 1600 livres. 1600 livres de capacité. C'est sûr qu'en 2 pour 1, je peux lever peut-être 3000 livres, là, si on tient compte du fait qu'il y a de la résistance un peu avec les poulies et tout ça. Là. Ben, je vous dirais que ils sont un petit peu fragiles, faut le faire attention parce que des fois le mécanisme il casse dedans. Le petit ratchet là, ça c'est la première chose qui part. Puis après ça, ben c'est les dents qui se mangent. Là. Fait qu'à ce niveau-là, je trouve qu'ils sont fragiles un petit peu. Mon système ici de pansure, ben ça travaille bien. Même qu'une fois, je sais pas sur caméra, mais
J'ai flippé j'ai renversé mon arche à un moment donné. Était à vide, il n'y avait pas de bio dedans. Puis je l'ai complètement renversé. Puis ma machine est quand même restée stable, elle n'a pas suivi à cause du pivot qu'il y a là. Donc ça c'est parfait là, à ce niveau-là, ça travaille très bien. Puis comme vous voyez là, ça me permet de virer facilement quand même avec la machine. Le moteur, ben, si j'avais à faire, ce serait pas ce style de moteur-là que j'achèterais, là. Je trouve que c'est un moteur qui est gouverné, fait que ça me permet pas de profiter de mon embrayage centrifuge que j'ai fait pour. Donc, c'est pour ça que vous me voyez souvent l'arrêter et le redémarrer, parce que pour changer mes vitesses, normalement, faut que le moteur soit arrêté, là. Faut que ça soit immobile. Comme c'est là, ben, j'ai de la misère à descendre le RPM du moteur assez bas pour pouvoir là, changer de vitesse sans que l'embrayage centrifuge puisse débarquer. Là. Donc, si j'avais à faire, je pense que ce serait un petit Bruce Stratton là, que je mettrais dessus. Puis c'est probablement ça qui va arriver dans le futur là, si jamais celui-là me lâche. Les petits Bridges Stratton, ils ont des trottoirs après les autres, fait que je pourrais plus facilement, là, probablement, les régler ma vitesse. La vitesse de déplacement, ben, c'est sûr que c'est pas vite, mais, quand je l'embraie d'avant, quand je m'en vais dans ce sens-là, c'est parfait, la vitesse. C'est juste quand je vais, positionner un bio, ben là c'est sûr que ça c'est en reculant, donc c'est beaucoup plus lent là. Mais ça fait quand même bien là. Ça mon pivot, c'est un pivot que j'ai acheté chez Princess Auto, puis j'ai perdu le bout. Le bout à partir de là, c'est un petit bout en acier qui était soudé simplement au-dessus du site. Puis ça a cassé tout de suite, là. Ça a pas fait long feu, ce pivot-là. Là. Le reste est correct. Ça, je vais le garder, je vais le réparer. Là. Je vais l'amener pour voir souder un bout après, mais je trouvais que le bout du pivot n'était pas solide. Donc, je vous laisse assez pour aujourd'hui. Je vais aller faire un petit peu de bois sur mon moulin, puis on va se revoir aux prochaines vidéos. Fait que merci beaucoup d'écouter ma chaîne, puis continuez de la partager si vous l'aimez. Au revoir.